Bonjour, Pierre Reboul, restaurant Pierre Reboul Aix-en-Provence, voilà, dans la plus belle ville de France. Donc aujourd'hui, on va vous préparer une recette d'asperges vertes de Pertuis, avec un pain perdu au chorizo, quelques morilles et quelques riz de veau, voilà. Ça sera servi avec un Côte du Rhône 2011 de chez Ravoir et Fils. Ça devrait aller très bien avec le côté chorizo épicé. Les vignobles de l'appellation Côte du Rhône s'étendent de Vienne à Avignon. Accessibles et variés, ce sont les parfaits compagnons d'un repas entre amis. Idéal pour découvrir les vins de cette région. Alors, on va commencer par faire un petit bouillon d'asperges. On va faire chauffer un petit peu d'huile d'olive là. On va garder les pointes. Et on va prendre les milieux des asperges et on va faire un petit ragoût d'asperges. On va un petit peu les essuyer. Et puis pour pas les laver, pour pas rajouter de l'eau parce qu'il y en a déjà assez. Donc on va faire suer un petit peu les asperges. Tac, un petit peu. Et après derrière, on va le mouiller tout de suite avec un petit jus de volaille blanc. Voilà, et on va laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps, on va faire un lait de chorizo. Donc on va prendre du lait et du chorizo qu'on va faire cuire au four vapeur sous vide pendant 1 heure à 80 degrés. Pour faire le pain perdu et la base du lait du pain perdu. Voilà. Alors ensuite, on va tailler nos chorizos voilà, avec un petit emporte-pièce. C'est du chorizo espagnol, bien sûr, bellota. Voilà, on va garder sur le côté pour tout à l'heure. On va tailler nos brioches aussi. On va tailler de la même grandeur. Après, on va préparer nos petites asperges qu'on va essayer de faire à peu près de la même longueur. Ensuite, on a fait blanchir un riz de veau, on l'a épluché en avant, blanchir à peu près 5 minutes, refroidir, décortiquer pour qu'il ne soit pas nerveux, pour qu'il soit tendre à la cuisson. Et après, on va couper quelques tranches, voilà, qu'on fera rôtir après. Alors ensuite, on va faire rôtir nos petites pointes d'asperges, voilà, qu'on a gardées. Voilà, on va le rôtir tranquillement, doucement, on va mettre un petit peu de sel, pas trop, parce qu'après on est sur le chorizo, donc on est déjà un petit peu salé sur les goûts, donc voilà. Et ensuite, on va aussi démarrer également les petits riz de veau pour les colorer, mais tranquillement. Alors, on a, pour les morilles, on les a lavées, on les a coupées en deux, parce que dans les morilles, il y a toujours un petit peu de grain et c'est pas agréable. Et après, on les a fait rôtir avec un petit peu d'échalote, tout bêtement, pour les préparer avant la finition, voilà. Après, on a mis tremper notre, donc le lait de chorizo était fait. Avec le lait de chorizo qu'on a cuit pendant une heure au four vapeur, on a fait un appareil à pain perdu, c'est-à-dire qu'on a rajouté des œufs entiers dans lesquels on a fait infuser la brioche. Donc là, on va la sortir un petit peu à l'avance pour pouvoir lui faire perdre un petit peu de son appareil de lait pour que dans la poêle, en fait, ça soit bien net. Et après, on va le poêler tranquillement. Entre-temps, on va prendre les riz de veau, on va le colorer. On va mettre un petit peu de beurre pour la coloration et puis pour le goût. On va assaisonner un petit peu et on va laisser colorer gentiment. Là, on va regarder la cuisson des asperges. On va garder les asperges rôties, craquantes. En fait, on ne les fait pas cuire à l'eau. Depuis un moment, on s'amuse à faire cuire tous nos légumes, suer tout doucement à l'huile d'olive. Il vaut mieux de la concentration que de la perte. Voilà. Donc après, on va mettre un petit peu de beurre dans la poêle. On a laissé goûter un petit peu du lait. Ok, on va les mettre tranquillement à colorer. Entre temps, on allait chercher un poivrier aussi grand que moi. Voilà, on va poivrer un tout petit peu les riz de veau. Voilà, dedans, on va rajouter les quelques morilles qu'on a fait revenir un petit peu avec l'échalote. Voilà, on va les faire aller doucement pour éviter que ça les sèche aussi. On va retourner les petits pains perdus qui doivent commencer à avoir coloré gentiment, voilà. Donc là, on a le bouillon, on a passé le bouillon d'asperges qu'on a démarré tout à l'heure. On va le mettre dans la casserole, on a mis un petit peu d'huile d'olive avec. On va le faire juste un peu réduire. Dedans, on va mettre une huile pimentée. On a fait cuire, pareil, une petite heure dans du sous vide pour garder toutes les saveurs avec des langues d'oiseau. Pour avoir un petit plat un peu sportif, là, un peu relevé. Donc là, les asperges doivent être pas loin d'être cuites. Voilà, elles sont craquantes, juste comme il faut. On va prendre des asperges et on va faire des copeaux d'asperges crues avec notre petite mandoline, là. Et puis dans deux petites minutes, on va dresser le plat. Voilà, donc là, pour finir la sauce, on va mettre un petit peu de beurre pour arrondir la sauce, l'adoucir un petit peu, voilà. On a mis cette petite huile de piment de langue d'oiseau. On va mettre deux gouttes de citron pour remettre un petit peu une acidité, pour sortir un petit peu du beurre qu'on vient de mettre. Et donc, on va dresser. Donc voilà, on prend les petits
les petits pains perdus au chorizo, voilà, qu'on a bien coloré. Dessus, on va laisser transpirer un petit peu nos petites tranches de chorizo, de bellota, qu'on va laisser légèrement suer, qui vont prendre la température, on voit, ils commencent à briller un petit peu, ce qui va les assouplir un petit peu. Voilà, on va mettre nos petites morilles là. Voilà. On met notre tranche, après on va chercher les petites asperges vertes. Voilà, donc vous voyez, elles sont rôties en même temps, et elles ont gardé leur côté vert, croquant. Derrière, on va mettre nos petites pointes d'asperges crues. Voilà, et puis on arrose. Voilà, on a un plat épicé, craquant et en pleine fraîcheur d'asperges. Voilà, donc notre petit plat d'asperges vertes de pertuis et de chorizo, servi avec le Côte du Rhône 2011 de chez Ravoir et Fils. Depuis 1987, Roger Ravoir, fils d'une dynastie vigneronne, élabore avec soin des vins exigeants où se reflète la vérité du terroir et l'originalité du millésime. Ce vin est produit à base de grenache, de syrah et de mourvèdre. Le grenache apporte de la rondeur et de la générosité. La syrah, sa belle couleur et sa finesse. Quant au mourvèdre, il confère au vin de la structure et une bonne aptitude au vieillissement.